Eh bien, salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Super Hot. Donc on s'était laissé là la dernière fois, je crois, si je me trompe pas. Donc du coup, ce qui va faire que là, on va utiliser notre super pouvoir, on va dire. Ça comme ça, voilà. Voilà, ici il y avait des trucs intéressants. Peut-être des armes, non, il y a des trucs juste à acheter ici. Donc ça va être dur, hein, vous allez voir, enfin, ça va pas être facile. Lâche ton arme, enfoiré. Oups. Il a bien visé cet enfoiré. Vous voyez, je me gratte juste l'œil un petit coup. Voilà. Cet enfoiré là, on va faire comme ça. L'autre qui est derrière, il n'a pas. Coucou toi. Moi j'ai que 2 balles, mais on sait jamais. Il a une pelle, attention, attention, il va faire mal. Ah non, 3 balles. Ah c'est surprenant, j'ai 3 balles et celui-là. Finalement, si je me rappelle bien, il y en a un là. Là c'est en rafale de toute manière. Venez, les enfants. Mort lui. Son frère derrière, il est mort. Il y a qui d'autre? Ah, il y a toi qui arrive là. Foiré. Là. Désolé pour toi, t'es mort. Je n'ai plus de balles, je crois. Je crois. Toutes ces armes en bas là. Écoutez, on vous a tous niqué, je crois. What? Quoi? Ah ouais, c'est le dernier. Il voulait pas venir, c'est un foiré. Voilà. Donc on a fini le niveau assez rapidement. On va se le cacher. Alors, nous sommes dans un bureau, apparemment. Ouais, on va acheter ça, parce que voilà. Ce sont des teugs, on peut pas acheter l'ordinateur. Oh fuck. Ah merde, j'aurais dû faire... Ah, c'est vrai que j'avais le pouvoir. L'erreur de ma part. D'où? Fous de ma gueule là. T'es sérieux? What the fuck, j'ai pas vu que tu fais là. Et oui, fallait pas se la jouer comme ça. Tant pis. Oh! T'es pas sérieux? Et c'est dur, le niveau là il est vachement dur. Je vais galérer, je le sens. On a que ça pour se protéger. Pas sérieux là. Non, pas un deuxième fusil à pompe. Je sais pas de ton avis. Faudrait.
C'était sûr. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cerveau. Vous êtes notre outil maintenant. Grâce à vous, nous allons détruire l'ennemi de l'intérieur. En fait, ils veulent se servir de nous pour tuer la machine de dedans. Besoin de plus d'informations? Non, parce que de toute manière, ils veulent nous faire un truc, c'est de la merde. Au travail. Ça va être des trucs en binaire, on va rien comprendre ou je sais pas quoi. Et de toute manière, ça changera rien. Alors, d'accord, nous avons un téléphone. Bonjour. Allô, je vais appeler la police. On m'attaque. Ouais, je suis dans la merde. C'est un rafale. Ok. 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 Calmez-vous. Barre-toi plus loin, toi. T'as voulu contourner toi. T'as un petit up toi. Oups. T'as la jambe. Allez bim. Lâche ton arme enfoiré. Ah ouais, il s'est passé quoi? Je sais même pas vu ce qui s'est passé. Attendez, c'est de la triche. Oups. Ma mallette! Tenez, j'ai pas d'argent. C'est chaud. Un sac poubelle. Donnez-moi le sac poubelle. Tiens, ta gueule, toi. Faut rien, là. Le mec, c'est un thug, là. Il est fou. Réfléchissons. Si je fais ça, voilà, et du coup je il me reste plus qu'un, je crois. Je suis dans la merde.
Voilà. Je voulais jeter un téléphone dans le vide, hein, quand même. J'ai jeté un téléphone dans le vide. Allez, répétez après moi. L'esprit est virtuel. L'esprit est virtuel. Ah oui, alors là, faut, c'est pas moi qui l'ai fait le niveau là, donc j'ai jamais fait. Il y a des niveaux que j'ai jamais fait, hein, je peux vous le garantir. Et là. Ouais. Pourquoi faire comme ça? Non! J'ai sauté du train. Ah non, je savais pas. Sérieux, enfoiré. Il est marrant le niveau du train. Oups. Ah mais j'avais des valises encore. De d'un coup. Oups. Plus de billets, désolé. Et voilà. Oui, le niveau est pas super compliqué au début. Vous allez niquer les 22. Ça qui est bien avec le fusil à pompe, c'est qu'on pourra tuer plusieurs d'un coup. Ça c'est super utile. Répétez après moi. Donc ils vont souvent dire le corps est jetable. Oui, parce qu'en fait ils veulent que on se sépare de notre corps en fait. C'est ça le but. Le corps est jetable. C'est bizarre, mais c'est le but. Ah oui, là j'ai déjà fait le niveau. Donc il est sympa. Normalement il n'est pas super dur je crois. Enfin ça va, il faut le gérer quoi. Il me semble qu'il y avait un mec ici, voilà. Il y a un mec ici. Ici. Non même pas. Ça va avoir un mec non. Donc en fait le truc qui s'appelle la téléportation en fait. Il y a le mec. Il n'est pas venu c'est tout. L'espèce de truc de téléportation là. S'appelle Auschwitz en fait. Et j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelle Auschwitz. Alors je pense que mon idée, ma théorie serait que il appelle Auschwitz pour une simple et bonne raison. Que c'est un camp de concentration, hein, Auschwitz, on est d'accord. Et ben la bonne raison est que ça s'appellerait comme ça parce que tout simplement on serait dans un camp de concentration, on va dire, virtuel. En gros on serait piégé dans le jeu. Qui nous garde quoi. Moi je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ce nom, mais pourquoi le mettre dans un truc de téléportation dans un autre corps? Ça je ne sais pas. Mais voilà, moi je pense que c'est peut-être ça, le rapport. Et lui il a une fusée à pompe je crois. J'ai une balle. Hop là. Il me semble que j'ai encore une balle, mais ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Oups, c'est lui. Bim, t'es mort. Recharge. Ok, il y a un mec pas loin. Un mec qui arrive vers là. Non. Oups. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter à lui. Coucou. Et on a gagné. Je pense qu'on fait encore un petit niveau et puis on s'arrêtera là. Répétez après moi, qu'est-ce que vous me faites sortir? Le système m'affranchira. Le système m'affranchira. Chien ou m'affranchira? Je pense que m'affranchira, hein. Ils ont oublié le R, je pense. Bon, moi j'ai mal vu, mais je sens qu'ils ont oublié le R.
Alors. Quelle honte, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que. Oh la vache! Je suis mort. Là, je savais. Donc là, si je me rappelle bien, oui. On se fait comme ça. Lui, on se fait comme ça. On prend son arme. On est qui là, ce qui est dangereux. On est tout là après. On met son poteau ici. On esquive les balles en attendant. On nique son autre poteau ici. Voilà, je compte peut-être encore une balle peut-être. Je crois que non. Mais j'ai des armes sur le côté. Ah ouais, là c'est chaud. Lui c'est rien, mais c'est lui qui gêne, et l'autre aussi qui gêne. Le mieux c'est, je sais ce que je vais faire, c'est que je fasse ça. Voilà. Parce que je voulais qu'il passe devant, comme ça l'autre il peut pas me donner un coup, il avait pas le temps de réagir. Voilà. Ah merde, j'ai dit qu'on quittait après le niveau là. Bon, on va faire ça, on va quitter de toute manière. Je suis au noyau. Je vais mettre pause, enfin pause. Ah bah là c'est bon ça. On va se retrouver là pour le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu, donc là il est un peu long. Mais je pense que je ferai des coupures, donc ce sera vers les 15-16 minutes je pense. Je vous dis salut à tous et à l'épisode... prochain, donc épisode 7 je crois.